Amém, Jesus. Agora mais isso. Quer o Senhor a pôr na moco, na moco? Quer o Senhor bendizer o campeão? Zambé, meu mazá, malandro, na luz. Quer o Senhor vou te salvar. Toujours croire que quand on a pessimisé le temps, quand que le Seigneur qui nous a donné ce moment, et mitem à la richesse en ce moment, parce que Dieu nous a donné mon douté. Et nos cœurs sont très joyeux parce que nous ne sommes pas venus à la rencontre de l'homme. Dieu nous a donné mon kéli ligolo bessé. Mais nous sommes venus à la rencontre du Créateur des cieux et de la terre. Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus-Christ, nous avons dit. Sois acclamé, Jésus. Sois acclamé, Jésus. Dieu grâce. Et à tout moment, toujours qui sera gagné ma tante, nous lui rendons des actions de grâce. Parce que ça est la camisou pour l'amour mince. Parce qu'il nous fait tant de merveilles. Texte dans Apocalypse 2, verset 14. Notre texte dit Apocalypse 2, verset 14. Donc autant qu'on a pour Jésus-Christ. Nous allons les lire au nom de Jésus-Christ. Mais j'ai quelque chose contre toi. Parce que Nazali n'est pas comme encore Nazali côté de mes d'ailleurs. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qui se livrassent à l'impudicité. Qui est béni, c'est le Dieu. Ça ne vient pas pour la taille. Les gens question poser qui dans le premier culte. Il y a des questions que le frère avait posées dans le premier culte. Donc on va répondre. Et nous allons les répondre parfois le dimanche prochain au premier culte. Et une sœur aussi a posé une question. Et une sœur aussi avait posé la question. Donc on a autant pour la cible qui doit respecter ligne et enseignement tous en un. Et nous allons commencer à marcher de manière à respecter la ligne de l'enseignement que nous avons. C'est bon de poser la question toujours selon l'enseignement Zoyokane Zamalam. Et c'est bien de poser la question suivant l'enseignement que tu es en train d'écouter et c'est bon. C'est mes frères ceux qui ont commis question. Seigneur, frère, si tu écris ta question, bon. Et c'est bon aussi d'écrire ton nom en bas. Et là, frère Victor, voilà. C'est le frère Victor. Question à Nicosso. Sa première question. Et là, dans Genèse 3, verset 1. Et dans Genèse 3, verset 1 à 6. Le verset 1 à 6. Mais question à Esaïe. Et sa question est comme celle-ci. Ici, la Bible nous parle, clair de la conversation du diable avec Ève. Et ici, nous sommes appelés l'image sauveur, moi, si peu, la mieux cas. Au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais curieusement, lorsque le serpent réussit à séduire Ève, et nous observons que Adam, dans le verset 6,
était juste à côté d'Ève. Azalaki pemeni mpenza ya mwasi Eva. Alors voici la question. Asibota utuna mekezani. Si oui, ce qui est ali pour vous. Donc comme Adam a zone mitona reste Adam c'est ce qui Adam mitoni Adam était près d'Ève. Il se pose la question si Adam était près. Si oui, ce qui est ali à son. Adam était à côté d'Ève pendant toute la conversation, mais pourquoi il n'avait pas réagi? On a mis Adam à sa langue qui peut mener à Ewa, à Kosova, bien sûr, à son langue qui n'a bien pas passé à l'Oba qui est le côté. Et l'Oba qui est au souffle dans la Bible. La première des choses que tu dois savoir dans les Écritures, tant qu'on ne parle pas de la prêt, lorsqu'on parle d'être prêt, il donna à son mari qui était prêt de lui. Après ça, qui mouvement, on parle d'un salaire qui peut mener à Ewa. D'abord, faut y m'aboyer. D'abord, tu vas savoir ceci, cette écriture, il est commis pour lui. Il va mis dans Genèse 3. Qui est dit dans Genèse 3. Et il le va tenir à boyer. Cela ne veut pas dire que physiquement, Ève avec qui Adam sera qui ouvre. Et quand Ève parla avec les serpents, Adam aussi était vraiment près d'elle. Oui, ils en ont moins. Ce n'est pas ainsi. Parce que celui tout à l'heure, il a un exemple. Parce que je prends par exemple. Dans Genèse 18, Genèse chapitre 18, à partir du verset 1er, à partir du verset 1er, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamaré. Yahweh a dit là qui apparaît, ma bande comme il était assis à l'entrée de sa tente, pour la femme qui lui bande les coups de la pendant la chaleur du jour, na tango ya moui matas na gere. La première verset deuxième. Le verset 2. Il y a Genèse 18. Il leva les yeux. Attends qui m'y sonne. Et regarda. Péantalaki. Et voici. Péantala. Trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit. Il courut. À qui il sous. Allez-vous comprendre la Bible? Je veux que vous compreniez la Bible. Parce que vous avez dit que Adam était près d'Ève, vous a pémé. Quand on dit Adam était près d'Ève, il n'y a pas encore comment on va dire que ça se passe. Alors comment il prêt? Alors comment il s'est encore va pouvoir courir alors qu'ils étaient près de lui? C'est-à-dire, en tout temps là, lorsque nous voyons la pensée de l'Écriture dans la Bible que l'homme était près de la femme, la pensée de l'Écriture dans la Bible, moi c'est Zalaki, mon père c'est Zalaki qui peut venir, moi si. Et ça, le gars, Adam, le gars qui est la femme que tu m'as donnée. C'est dans le sens qu'il y a moi sur le Pessila à Zalaki. Tant vous avez apprécié moi si longtemps à Bali, lorsque Adam a épousé sa femme que Dieu a c'est l'avenir. C'est l'avenir. Moi, je suis encore prêt. Cela veut dire que cette femme est devenue prête d'Adam. Même si cette femme est à Kisatan, mon père est Azan à Kishasa. Et que son mari est à Kinshasa. Mon père est déjà prêt. Et ce mari-là est prêt de cette femme-là. Vous en avez là, vous suivez attentivement. Pensons que ça n'est pas là. Parce que si cela n'est pas ainsi, moi, je quand Jésus a vraiment quitté, il n'y aura pas moyen d'expliquer la parole de Jésus. Alors je ne vous laisserai point en fait. N'a pas dit qu'à la minorité, je serai toujours n'a pas la tête à la minorité là. Vous êtes là, maman, je suis là. Exactement. Donc Jésus-Christ est près de nous. Jésus-Christ a dit permet de la vie sur le temps. Vous êtes là, maman. Amen. Il est aussi en à sa tête, il a mis sur la vie. Amen. Mais d'abord, passez encore au devant de ces trois hommes. Donc il faut saisir le langage de la Bible. Question est-ce que nous sommes?
Une autre question du frère. La question que je vais répondre, c'est ma bonne attente. Ma bonne attente, voilà, quand c'est mon temps. Parce qu'on va commencer à marcher selon le temps. Mais il va quand tu vas répondre. Mais ça, c'est moi qui va répondre. Oui, c'est question que tu vas répondre, on va toujours. Tu poses tes questions, on va répondre à cela. Pour la enseignement, ils sont enregistrés. Et comme les enseignements sont enregistrés, même si tu pouvais nous dire, même si tu n'étais pas présent dans le parce qu'il faut tout le temps pour la parole de Dieu. Parce que nous devons marcher par la grâce du Seigneur. Que Dieu bénisse. Ça ne vient pas pour la tour. Et que la grâce du Seigneur est à l'école dans mon corps, dans mon corps. Et que la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun. Oui, toujours le béla, dans autant nous suivre la doctrine et balanisme. En ce temps, nous parlons sur la doctrine des malades. Le Seigneur a tali ceci à ça contre la doctrine. Le Seigneur a montré aussi qu'il est contre cette doctrine. Contre si le Seigneur est contre quelque chose, l'Église, il faut être aussi contre le courant. Et l'Église aussi, à son tour, va être contre cette chose-là. Moi, Nazambe aussi, il faut être contre. Et un enfant de Dieu aussi doit être contre cela. Parce que moi, Nazambe, parce que tout enfant de Dieu, Azawa, pour témoigner le Seigneur. Et là, pour témoigner le Seigneur Jésus. Donc, témoigner le Seigneur, au date de Jésus-Christ, les gens pour témoigner la parole de la vérité. Les amis, au date de la loi est seul. Moi, je ne sais pas pourquoi ça va m'attirer. Un enfant de Dieu ne peut pas être là. Élevé ma camoufle, ils ont dit contraire à la parole de la vérité. En train d'élever des choses contraires à la parole de la vérité. Oh, une chose contraire à la vérité. Et tout ce qui est contraire à la vérité, ils ont un péché. Ils ont des soumis. Et l'enfant de Dieu va s'attacher à la péché. Et un enfant de Dieu ne s'attachera pas au péché. Et après, vous allez montrer ça d'abord sur cette doctrine-là. C'est pourquoi on montrait, on parlait d'abord de cette doctrine-là. Et vous allez qu'il a besoin d'abord de montrer ça qui est Balaam. Et on avait déjà identifié Balaam. Et peut-on comprendre mieux. Et de mieux comprendre cela. Après, vous allez aussi chemin à Balaam. Après, nous allons aussi voir le chemin de la voie de Balaam. Bactnaé. C'est exact. Balaam, l'homme à Koufa. Balaam, homme physique et de mais pas seulement encore à Balaam. Mais on parle encore de Balaam dans la suite. Donc, sa vie, Bomoumakamounaïe, ses actions, est calé comme un signe où les autres qui s'appellent à Katia Batumokosongo. Et ils sont restés comme des signes qui s'accomplissent au milieu de certaines personnes. Il y a autre chose qui est l'écriture. C'est pourquoi on avait pris l'écriture. Même dans la semaine. Même au cours de la semaine. Il y a Josué chapitre 2. 13e, verset 22e. L'écriture de Josué, chapitre 13, verset 22. Tout en bas qui est la compagnie de Jésus-Christ. On l'avait lu au nom de Jésus-Christ. Tout en bas, moi aussi. On puisse la relire. Mon grand souci, c'est d'abord comprendre l'enseignement. Mon grand souci est que tu comprennes l'enseignement. Parce que Dieu attire les salis dans l'enseignement. Parce que le Seigneur a mis les salis dans l'enseignement. Et Dieu nous a salis quand tu comprends et puis au vivre et à nous donner à Tengi. Et puis tu reçois les salis lorsque tu comprends la parole et tu la vis telle que le Seigneur le recommande. Dans Josué 13, dans verset 22e. Josué 13, verset 22. Au lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué 13, au verset 22. Parmi ceux que tu aimes, les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée les devins Balaam. Fils de Béor. Donc, ton frère sortir, ressortir que Balaam Azalaki devint. On a fait ressortir que Balaam était un devin. Mais, et là, on est au constat à qui. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait constaté? Balaam ou Azala qui devint. Balaam qui était un devin. Tozoa qui. Nombre 23. On avait pris Nombre 23. Dans verset 5e. Ou verset 5. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam. Yahweh a tia qui malobanaye na monokoya Balaam. Tout à l'heure aussi le verset 16e. On a aussi vu le verset 16. L'Éternel vint. Yahweh a yaki. Au devant de Balaam. Libosse à Balaam. Il mit des paroles dans sa bouche. Et dit, retourne vers Balaam. Et tu parleras ainsi. Donc, tout le monde est dans Josué 13, verset 22. On a vu dans Josué 13, verset 22. Azar devint. Que Balaam était un devin.
Aujourd'hui, lorsque nous voyons un devin, c'est par exemple un serviteur dans les sciences occultes, un homme dans la magie. Dans toutes ces choses-là, les ténèbres, ils ont acquis ce que nous avons remarqué. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que le Seigneur a pris ces paroles et les a mises dans la bouche du devin. Donc par là, nous comprenons le peuple aujourd'hui. Et par là, nous comprenons aussi aujourd'hui, et qu'on appelle la carte à communauté assemblée des saints. Il peut y arriver aussi dans la communauté des églises de saints. Donc il y a qu'on appelle un sorcier qui devient serviteur de Dieu. Donc Bandoki. Donc les sorciers. Et qui devient aussi serviteur. Et parmi les prédicateurs vrais. Et que le Seigneur met aussi ses paroles dans leur bouche. Mais il est appelé à la destruction, à manquer le salut de Dieu. Suivez attentivement la parole du Seigneur. Il est convaincu que mon tonnage soit à consacré. Cela ne veut pas dire que tout celui qui est consacré est consacré. Et il est aussi consacré en vérité. Non. Parce qu'il y a une différence entre imposition de main et élévation. Parce que pour que ces alliés ont la route de qu'on a autant pour amener ces pas d'amener. Imposition de main, les alliés, pour tourner ça la carrière, je suis ordre, donc on est des ministres. L'imposition de main, c'est un ministre en fonction du ministre. Le ministre va pouvoir imposer 5 personnes. Les ministres peuvent imposer 5 personnes pour le ministère de la parole. Pour le ministère de la parole. Et pour cette année, qu'un exemple peut élever 5. Il peut se faire aussi que Dieu élève toutes ces 5 personnes. Et pour ça, les papiers qui m'ont imposé 5 personnes, il peut se faire aussi qu'on impose 5 personnes. Ça m'a élevé 3. Mais le Seigneur n'élève que 3 parmi ces 5. Comment comprendre l'Écriture? Il faut bien comprendre l'Écriture. Dans un exemple, je prends un exemple. Moïse a imposé qui Josué m'a beaucoup. Moïse avait imposé les mains à Josué. Mais si on t'a lu dans Josué chapitre 3e. Mais si tu remarques dans Josué chapitre 3e. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3. L'écriture de Dieu est en train de se L'écriture de Dieu est en train de nous montrer. Dans autant que moi, comme on a Jésus-Christ. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Azoromaboyen. On dit ceci. Josué s'est enlevé de bon matin. Parti de Sittim au Jourdain, à Lomaki, et là ils passèrent la nuit avant de les traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent les camps. En ce qu'on continue toujours l'écriture, toujours en Josué 3, en continuant l'écriture, en verset 7, en Josué 3, verset 7, la ligne, autant la lion sur la matin, parce que je ne vais pas tout lire. Alors on a besoin de lire Josué 7. Je sais dans les hommes de Josué 7e verset, Josué 3, verset 7. Josué 3, verset 7. L'Éternel dit à Josué, Yahweh est ici dans Josué. Aujourd'hui, les lobes. Je commencerai à t'élever. Nakumanata kotomolakayo. Aux yeux de tout Israël. Afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Moïse a imposé la main. Donc Moïse avait imposé ses mains. Mais il y avait des jours de l'élévation. Il faut bien comprendre les églises. C'est ce qui a élevé. Les amis, ça veut dire que tu as élevé. Dans la chaîne physiquement, on les a élevé 5 personnes. J'ai dit visitant au monde. Donc, physiquement, mais la carte n'a pas moi, mais pas Dieu peut élever soit toutes ces 5 personnes. Comme pas autant pour la 3. Donc, il ne peut élever que 3 personnes parmi les 5. Comme autant pour la 2. Vous pouvez élever 2 seulement. Si tu regardes le parcours des églises de saints, et d'autres personnes qu'on appelle des consacrés à l'événement. Parfois sept personnes. Mais t'as la fruit maintenant travail à 7 personnes. Mais regarde le fruit du travail de 7 personnes pour ça. Vous remarquez parfois la date à 7 personnes. Vous allez remarquer parfois parmi ces 7 personnes. Et là,
C'est seulement eux qui sont élevés par Dieu. Et la raison, c'est la raison que tu piques. Nous aussi, nous avons vécu ces choses. Tant que vous avez lorsque nous avons reçu les mains d'imposition, mais le Seigneur n'a pas élevé tout le monde. Donc, le diable peut infiltrer une cérémonie. Et ça ne peut pas élever l'autre. Et le Seigneur ne va pas élever cela. Un serviteur peut commettre l'erreur. C'est pour ça qu'il y a un pas pour dire ça là. Pour les animer, pas les locaux encore. Mais Dieu est fondé à aider. Mais le Seigneur doit l'aider. Mais dit, tant que Samuel a reçu le message à joindre dans la famille d'Isaï. Lorsque Samuel a reçu le message d'oindre un fils d'Isaï. Tant quoi? Tant ni qu'à moi, non, ça va qu'il y a des boussons de l'État. Lorsqu'il a regardé l'aspect du premier. Ça va être Eliab. Ça va être Eliab. Certainement, si le Seigneur n'était pas intervenu, il serait demeuré dans cette erreur. Comme ça arrive. Et comment ta paix? Mais par exemple, il y a mon cohérence. Mais chez Dieu lui-même, il n'y a pas d'erreur. Pour ça, le programme de ton bonheur, 25 personnes. Pour avoir le programme d'élever 5 personnes. Pour ça, les règles à mon ton bonheur, 25. Et pense-toi que Dieu commettrait une erreur. Sauf qu'il va pas mal, son 25 à programme, mais à mon ton bonheur. S'ils sont 25, tout 25 à son programme, il va les élever tous. Sauf qu'il a un programme, même à 25, même à 12, à mon ton bonheur. Si dans son programme, il ne sont que 12, il n'élèvera que 12. Comment il y a donc, nous savons que ça les années, l'œuvre qui se fait appartient au Seigneur seul. La maison s'appelle la maison dédiée. Donc, c'est Dieu qui est au sommet. Vous en avez un? Amen. Dieu peut faire à permettre l'action. Permet une action. Au milieu du peuple d'Israël, il faut prophète aussi, Bazalaka. Parce qu'il n'y a pas promis à papa. Parce que lui-même avait promis ces gens. Dans le bazar dans le désert. Lorsqu'ils étaient encore dans le désert. Dans Deutéronome 13. Dans Deutéronome chapitre 13. Oui. Il dit ceci. Il faut en vie d'ailleurs où l'ingaga simba toujours les critiques. Il faut toujours désirer saisir l'écriture sainte dans ta vie. Et vous rendre le sage. Et vous commissez de la moignée. Que vous commandez comme un mécanisme. Et d'être attaché aux choses de tes propres. Au moins, il était en 13, rêvez oui. Il était en 13, dit ceci. À partir du verset 1er. Le verset 1er. S'il s'élève au milieu de toi un prophète. Ce qui est au moins nous, Katikat, Sinaïe, mon sacolimon. Ou un songeur. Qui t'annonce un signe ou un prodige et qui est accomplissement d'ici. Et ça vient de moi et qui ça. La commune verset 2e, il y a Deutéronome 13. Le verset 2 et Deutéronome 13. Ou des prodiges. Chopé le roi à mon aide qui ça. Donc il t'a dit. Qu'il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux. Donc il n'est pas à taper mon souci. Des dieux que tu ne connais point. Et servons-le. Et tout ça n'est pas tapé ouana. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Ou de ces songeurs. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve. Pour cette œuvre, voilà cette mauvaise œuvre. C'est l'Éternel Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui est en train de parler. Pour une mission bien donnée. Pour la moussala, mon corps est en train de parler. Pierre a remis dans 2 Pierre 2. C'est pourquoi Pierre dit dans 2 Pierre 2. Il y avait des faux prophètes aussi parmi les peuples. Et ça n'a pas mis à la salle, mais le coup de temps, il y a des gens qui ont 2 Pierre 2, verset 1. Là, il dit dans 2 Pierre 2, verset 1. Il y aura aussi aujourd'hui. Et qu'on s'en a appelé les les faux docteurs parmi vous. Mais là, il y a des gens qui ont 2 Pierre 2, verset 1. Et tu ne peux pas anéantir l'écriture. Ah, ce sont des choses que tu ne peux pas
toute la communauté par qui elle se retrouve, que la salle à salle à soi. Pierre a émissé, Pierre t'a dit, il se réveillera, mais faux docteur aussi par le vieux. Et pour tout le monde, on va par la qui s'en occupe, t'as qu'à t'y la mise. Les apôtres n'a Et ça, c'est l'apôtre qui te l'a dit. Tu ne peux pas débattre. Il a commencé à parler de ça par rapport à ce qu'il y avait de vrais prophètes, mais c'était aussi élevé de Mais Seigneur a remis c'est tout. Le Seigneur a dit C'est moi l'éternel Dieu qui t'aimait à l'éprouver. Pour savoir si vous aimez l'éternel, votre Dieu, de tout votre cœur. Vous irez après l'éternel, votre Dieu, et vous les craindrez. Vous observerez ses commandements. Vous obéirez à sa voix. Vous les servirez et vous vous attacherez à lui. Ces prophètes ou ces songeurs sera béni de mort. Car il a parlé de révolte contre l'éternel. Révolte contre l'éternel. Les amis, par rapport à l'enseignement au Yahweh, c'est par rapport aux mauvais enseignements qu'il a donné après avoir mis. Mais dans le livre prophète, à sa colline et l'autre, il coquille ça. On a dit ce prophète qui a prophétisé un signe et qui s'est accompli. Vous avez dit un problème malade à ça, mais il peut au Miki. Il y avait une maladie, il a prié et tu es guéri. Mais qu'on a dit dans le miracle, les amis, à Talaka, Maï. Mais ce n'est pas dans les miracles que Dieu regarde l'amour envers Jésus a dit, et lui-même Jésus a dit, si vous m'aimez, ceux qui vous lignent, vous garderez les commandements. Pour combattre la liberté qu'on a gagné. Et cela provient d'ici. Donc on t'a opéré par miracle. Dans le prophète au Père de miracle. Il dit ça qui campé. Il prophétise des choses qui s'accomplissent. Mais dans le monde, allons après d'autres Dieu. Là, c'est un faux enseignement. Bon dimanche, prophète. Ne croyez pas à ces prophètes-là. Donc, et donc, à l'écosso, c'est le vrai enseignement. La première chose, les amis, la initiation. C'est qu'il y a un bon enseignement qu'on considère au milieu du peuple. Mais c'est ce qu'on doit considérer au milieu du peuple. Que Dieu te bénisse. Ça ne vient pas bon. Et que la grâce du Seigneur est à l'écolon. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Et c'est ce que maintenant, toujours, très toujours sur la doctrine des Balaam. Et c'est ce que nous montrons sur la doctrine des Balaam. D'abord, toujours, très qui est Balaam. D'abord, nous montrons qui est Balaam. Balaam était un devin. Balaam, Asala, qui monte la solo, Katon, la Kakis. Madianite. Asala, qui est moi, la Mbali, la qui Israélite. Il n'était pas un fils d'Israël. Asaki, Madianite. Il était Madianite. Asala, qui est un homme considéré dans ma machine. Asala, qui monte à Menema, qui n'a pas solo, Kanaïe. A roi, Bayeva, qui. Le roi les connaissait bien. Il y a tant, hein. Le roi de ces temps-là. Il y a un mot comme on attend au roi à Moua. C'est pourquoi tu verras lorsque le roi de Moua. Azombeng a eu pour maudire Israël. Et qu'il faisait appel à lui pour maudire le peuple d'Israël. Alobi, dans le verset 6. Il dit au verset 6. Il y a un nombre 22. Le nombre 22. Viens, je t'ai pris. Il y a un bon délire. Maudis-moi ce peuple. Car il est plus puissant que moi. Donc, roi Balak, le roi Balak, roi de la nation, le roi des nations, a évalué que Israël a plus puissant que lui. Il savait qu'Israël est plus puissant que lui. Parce qu'Israël a un éternel. Israël avait l'éternel Dieu en ces temps-là. Le règne est bon pour moi. Tant qu'on garde la parole, lorsque tu gardes la parole, les ennemis baillent dit que vous êtes plus puissants que vous. Les ennemis savent que tu es plus puissant que eux. Mais l'ennemi a aimé l'écriture. Mais l'ennemi connaît l'écriture. L'ennemi a aimé que telle écriture est le dans la Christ et Jésus. L'ennemi connaît que telle écriture parle du Christ et Jésus. Même Satan a mis devant Jésus. Même Satan lorsqu'il était venu. A écrit Jésus. Il avait dit à Jésus. Il est écrit à ton sujet. Et comment n'a-t-il pas eu Jésus? Mais pas dans les ans, nous avons en beauté. Mais les sacrificateurs ne le voient pas. Et Satan a mis que l'écriture est à Jésus. Mais Satan savait que cette écriture
concerne Jésus. Pas l'église à Jésus. Et il a dit même à Jésus, prophétie ou non, où les hommes ont psaume, les allaient. Et cette prophétie avec psaume 91 là déconcerne. Le corps le Seigneur. Et comme le Seigneur, alors il a besoin de n'attendre Israël à dit ma parole. Il n'avait pas besoin, c'est temps là qu'il soit croit à la parole. D'appuyer Jésus-Christ, rien qu'il. Lorsque lui Jésus-Christ était venu. Pour ceux qui ont dit qui parle, puis ceux qui ont dit qu'il. Parce que s'il avait crié à la parole, nous ne serions pas sauvés. C'est fora il fallait pas. C'est fora de savoir. Exemple, ma télé mais la Moïse. C'est parce qu'on s'était opposé à la déconner. Parce que frère et à son part. Et elle a reçu la grâce de ses mains. Une fois qu'on est sur la que ah, et quand on est sur lui, sur lui, on parle en amour pour ma tournée à tout bouquer la carte. Moïse, tu es venu m'épouser parce que ses frères s'étaient opposés à toi. Reine Vachi. La reine Vachi. Esther, frère, Esther doit savoir. Ce qui est vrai, c'est que pour tout ma casse ici, la reine Vasti n'était pas dégoûtée. Mais les gens sont libérés. Mais vous ne serez pas mariés. Donc, Esther, tu vas faire la casse dans la palais royale. Esther va être là tout dans le palais. Oh, ça, merci pour nous. Tout ma casse ici. Merci Seigneur, à cause de la dégoûtée, c'est la reine Vasti. Donc, pour ça, pour tout ça, Vasti, les membres de l'obéissance de la reine Vasti. Et puis, Esther libérée. Afin qu'Esther puisse se marier. Et avant tout, le banquier, on a dit qu'Israël a. Si Jésus t'a rejeté, c'est pourquoi la manière dont Israël n'a pas obéi à Jésus. Mais les loups, ils ont besoin de voir. C'est là aujourd'hui nous avons tenu le mariage. Sauf qu'à tout ça, si Israël avait obéi, dans le Christ a eu, lorsque le Christ est venu, ils sont devenus ratés les mariages. On ne serait pas souvent allé rater les mariages. Il y a un Romain 11, verset 11, il le dit. C'est pourquoi Romain 11 dit ceci. La chute d'Israël, pourquoi a Israël? Ils avaient en réalité une richesse pour les morts. Ils avaient la motion pour subonner les pour la mort. Comment chute? Comment la chute? On ne va pas répéter, mais ça richesse pour les morts. Les gens regrettent, mais c'est une richesse. C'est pour ça la chute dans les années marquées. Comme cette chute-là, c'était la condamnation. Donc, pour Israël, ils avaient dit, oh, il y a toi qui lui bats parce que Israël ne le bat pas. Et celui qui s'est écarté à toi. Et elle est tombée. Chute-moi. Et cette chute. Et celle qui est richesse et qui n'en a pas. Afin que la richesse puisse aller chez les païens. Richesse sont les années Christ et Jésus. Et cette richesse, c'est le Christ et Jésus. Et c'est pourquoi nous louons le Seigneur le fait qu'Israël a rejeté qui est ici. Et c'est pourquoi nous louons le Seigneur parce qu'Israël avait rejeté le Messie. Diabonnez à la Seigneur en mission. Et c'est ce qui est notre joie. Que Dieu te bénisse. Amen. Diabonnez à la fierté en mission. Et c'est ce qui est notre fierté même. Donc, si on saisit Yahweh, donc si tu saisis cela, gloire à Dieu. Le coup, on a eu des entrées très importantes. Les animaux, tout Yamaka s'y fait. Donc, c'est quelqu'un pour Tali, le nombre 22. C'est-à-dire en observant le nombre au chapitre 22. On doit remarquer d'abord que Balak, Kaeba, qu'Israël a été puissant. Que Balak savait qu'Israël était plus puissant. Yop. Et toi de même. Les ennemis, ma ennemi, qu'on a puissant. Les ennemis savent très bien. Dieu puissant. Mais à nous caca, au quoi il y en a erreur pour emporter. Mais les ennemis cherchent que tu tombes dans l'erreur en fait qu'ils t'emportent. Et c'est ce que Balak a Balam Bazaïo. Et c'est ce que Balak et Balam cherchaient ceci. Je disais que le diable connaît. Nazaraki pour être Satan a émis l'enseignement. Il connaît bien le vrai enseignement. Montaigne Moko, Montaraki, un peu dans les réseaux sociaux. Il y a un prédicateur que j'avais vu sur les réseaux sociaux. Et Azan a difficulté sur la parole. Il a la difficulté sur la parole. Sauf à Koufi, n'est-ce pas comment Azan le fait. S'il meurt dans cet état, il ne verra pas le Seigneur. Alors, l'état, vous allez au Sambela, na mon oncle, il dit lorsque tu pries dans la langue des hommes, Satan, oui. Satan écoute ta prière et te répète. Là, ce n'est pas un problème. Moi, les amis, t'as monté. Amis, maintenant, si on est au bout, on est au bout, on est au Satan, on est au bout. Maintenant, si tu veux que Satan n'écoute pas ta prière, sans il faut prier en langue. T'as mis au bout, en langue. Lorsque tu pries, Satan, on est au bout, on est au Satan, c'est toi, qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est vrai? À ce cause, non, il est en train de mentir les gens. Les menteurs mériteront pour les rendre des choses. Par contre, c'est la consacrée pour que jamais les amis se répandent. Mais jamais c'est seulement la répandance. Paul a son conseil pour plutôt prier avec intelligence. Paul nous conseille même de prier avec notre intelligence. Lorsque tu es ensemble avec le frère. Amis.
Lorsque tu es avec tout le monde, pour ça, mais à tes amis, on a péché si parler et en langue. Mais on n'a pas interdit la prière en langue. Et ça va rappeler langue. Donc ce sont des langues vraies. Et ça, ça donne à moi la diversité des langues. Pour que ce n'y a pas quota. Donc tant aux amis qu'au savoir. Lorsque tu es en train de prier, Si nous ne connaissons pas la langue, on doit quand même comprendre que c'est la langue. Même celui qui ne connaît pas l'ingala, il saura que je parle une langue. Et ça, en langue, ce n'est pas que tu parles en langue. Depuis que tu avais commencé, fils convict. Aujourd'hui, tu m'en fais son. Fils convict. Depuis que tu as répété un mot, il ne répète que les mots. Il y a langue de terre. Mais ce n'est pas une langue. Et donc, on a lâché là. Qu'on se fabrique, non, mon père. Il ne faut pas te fabriquer quelque chose. Seigneur n'est pas ça. Demande cet homme-là à Dieu. Et il va te les donner. Donc il y a des langues des hommes. Et ça n'est pas à côté à la Esaïe. Et ça existe. Donc ton gros à la peut-être là. Toujours ça fait là. Nous prions. Mais Chinois continue. Mais les Chinois entrent dans l'assemblée. Pas. Directement. Zamba signe au frère. Et le Seigneur te saisit toi, mon frère. On le dit qui chinois, Noémie qui chinois. Et tu parles vraiment la langue des Chinois. C'est ça, la langue. Il y a beaucoup de la Corona. Il y a Zawana. Les Chinois, il a Zawana chinois. Il est vraiment chinois. Ayoki, demandez qui chinois. Il écoute vraiment parler en sa langue maternelle, les Chinois. Si c'est lui l'acte 2. Et cela s'est passé dans les actes 2. C'est ça, par là. Il y a beaucoup de Corona. Il y a un moment où je dis que les démons,
C'est pourquoi je t'ai montré que le démon est Jésus. Savent bien qui est Jésus-Christ. Et Jésus, dans Marc chapitre 1, lorsqu'il chassait le démon dans Marc chapitre 1, l'écriture dit ceci. À partir du verset 33, nous irons même jusqu'au verset 36. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Le verset 33. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Là-bas, suite à verset 34, il y a Marc chapitre 1. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Parce qu'il les connaissait bien. Les démons connaissent pas Jésus. Ça, c'est le verset. On dit que les démons connaissaient bien Jésus-Christ. Parce qu'ils étaient au milieu des Juifs. Ils n'aimaient pas. Mais au travers des démons. Non. Ils ne voulaient pas que les peuples sachent son identité à travers les démons. Non. Ça, c'est quelle manifestation? Moi, les amis, ça refusait. Vous allez les connaître lui-même par moyen. Alors, pas par démon. Non, par des démons. Il a refusé que les démons va parler parce que les démons voulaient parler de lui. Ah. Il a refusé aux démons de parler parce qu'il voulait les témoigner. Il les a fait. À Kata, par mon nom. Amen. Vous avez la maman? Il a refusé. À quoi il a pas parlé? Et c'est ce qu'il a évoqué. Les démons connaissent bien. Tu dois savoir que les démons connaissent bien Jésus-Christ. Et Jacques chapitre 2 et le 1. Et Jacques chapitre 2 dit ceci. Qui croit qu'il y a un seul Dieu. Qui fait bien. Les démons les croient aussi. Les démons ne confessent pas la doctrine des trinitaires. T'as la doctrine de la maman. Jacques a bien. Les démons aussi ont leur doctrine. Jacques 2. Jacques chapitre 2. Ah. Alors bien. Ami, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Verset 19. Le verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Aux autres, tu m'as été amené à sa réponse. Tu fais bien. Aux autres, ça les démons les croient aussi. Il dit mon ami, petit matin, ça va savoir encore. Si tu as dit qu'il y a trois dieux, ils vont s'opposer à toi. Maintenant, la doctrine à Matumisa. Maintenant, toi, la doctrine des trois personnes en Dieu. Bon, si vous cachez des mots, si vous cachez des mots dans les débats, il croit qu'il y a un seul Dieu. Bon, ma mission est de votre vérité. Et vous qui êtes de la vie, nous qui sommes de la vie. Il y a une doctrine aux autres qui m'a dit ça. Et toi, dans ta doctrine, tu crois qu'il y a trois dieux. C'est que des mots t'as dit. Et même des mots plus que toi. Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Ils m'ont appelé et m'ont dit, ça passe à mon corps. Mais il tremble. La spalée n'a qu'à lui. Pour un pouvoir, d'ailleurs. À cause de son grand pouvoir. Donc, il passe à la connaissance. Donc, ils ont cette connaissance-là du Dieu unique. Il peut utiliser aussi des gens. À vous qui peut conseiller la bateau. Parce qu'il peut l'église, la bateau. Il crée aussi leurs propres églises. Vous avez un moment. Amen. Voilà pourquoi même le peuple de Dieu, il faut passer par les dons et discernement des esprits. C'est très important. Les amis, pour tout pour les cas. Ma soeur, mon frère, c'est là qu'un don est opéré dans ta vie. Mon bien-aimé, demande l'opération de dons spirituels. Ça
ait vraiment ce profond souci en toi. Et puis, quand tu tout ça, lorsque tu te commences, le Seigneur fait ma grâce. Ça va fouler là. Le Seigneur viendra t'ouvrir les dents. Tu as la richesse divine dans toi. Oui, mais qui diamant à 55 carats. Ce qui est plus que les diamants de 55 carats. Cette richesse. Vous en souciez en bon. Les soucis d'avoir des mais où ils arrivent à 4 ans et les qui ont un autre mot. Mais ce qui est encore, c'est plus que ce que tu vois de tes yeux. Mais ton qui s'en a dit qu'ils n'ont pas fondé les gens pour m'aider au livre d'avoir la tienne à 4 ans. Montre-toi que le Seigneur puisse ouvrir la richesse qu'il a offert en toi. À 4 ans, il y a un mot et qu'on dit ça va en zéro à ma prédélé. Et ce nom-là va faire briller la vie de beaucoup de gens. Et ça, c'est très important, Luca, quand ça va fondre les gens qu'on a 4 ans. Cherche que le Seigneur puisse ouvrir quelque chose dans ta vie. Donc c'est que le lingue important de tout à la awawa. De la même manière, lorsque nous regardons ici, Balaam est défunt. Balaam est un qui monte à solo dans la main. Azaraki, juif était. Il n'était pas juif. Mais c'est un défunt. Azaraki, la maquisse. Au moins, qui aussi que Dieu mettait ses paroles dans la catabala. On avait vu que Dieu mettait ses paroles dans ses devins balades. Donc, c'est qu'il nombre 23, verset 5. Hein? On avait donné nombre 23, le verset 5. Et puis, verset 16, 16 et 17. Hein? Et puis, le verset 16 et 17. Et puis, ton nom est Balak. Et puis, on a vu le roi Balak. Oui, Balak qui est roi de Moab. Qui était le roi de Moab. Appelle qui Balak pour maudire les peuples. Il avait appelé Balak pour maudire le peuple d'Israël. Mais roi Mana a Eva qui est. Mais ce roi-là, ça veut dire. Israël est plus puissant que lui. Israël est plus puissant que lui. Et donc, on a insisté dans nos mines. J'insiste beaucoup sur cela. Il faut éviter que le mal est canaillon. Évite que le mal puisse. Les impédicités. Baboudouma. N'a dit rien sur ma paix. On était rien sur le diable. Il y a un peu de conscience. Et qu'on n'a pas conscience. Vivement, il y a un peu de conscience. Et sort dans tout ce qui est mauvais. Quand il y a un peu de conscience, ils sont faibles. Parce que c'est ce qui les rend faibles. Les vents des démons. Les démons connaissent la loi. Il m'a payé du monde comme ça. Il a dit que ceux qui ont transgressé. Les démons savent que si tu transgresses, comme il fait. Mais tu deviens faible. Aïe. Les démons le savent très bien. Il faut le chaos se répandre. C'est que nous nous avons rejeté nature, non seulement. Rejeter toute mauvaise nature. Et pour ça protéger. Alors tu seras protégé. Alors c'est que nous avons enlevé Balak. Alors, verset 6, voyons aussi le roi Balak au verset 6. Il y a nombre 23. Je veux nombre 23. En Dini solo, il a vraiment accepté qu'Israël est plus puissant. Et Israël est plus puissant que lui. Mais, Azan a besoin de Moutoumo pour maudire Israël. Quelqu'un qui pourrait maudire Israël. Et Ayeba qui est Moutoumo, il savait que c'est le faire, c'était seulement Balaam. Il y a un verset 6, il y a nombre 22. Le verset 6, c'est nombre 22. Viens, je t'ai pris. Il y a qu'à abandonner. Maudis-moi ce peuple. Laquelle a dit mon Dieu, ma mère, qu'on en a. Car il est plus puissant que moi. Oui, puis, allez, il y a un maintenant, nombre 22, verset 6. Peut-être ainsi pourrais-je les battre et les chasserai-je. Et pour qui, pour ça, la ma mère, t'es là. L'homme dit, ma mère, puis la pénale, ma mère, mon cas. Car je sais, là, 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 que celui que tu bénis, et mon tour, il y a Balaam, il y a pas béni, est béni. A pas mon ami son. Balaam. Et que celui que tu maudis, et mon tour, il y a laquelle il m'a béni, et mon solo à laquelle il m'a béni, c'est que, à ce qu'il a un témoignage, Balaam, c'est-à-dire qu'il avait de bons témoignages. Donc, tel a celui que Balaam a béni. Lorsqu'il faisait appel à Balaam, il que Balaam a un numéro. Que Balaam avait son casalier, ça est ici. Il fait ses numéros et c'est là sa compagnie. Donc, ils ont la mission où on a traité à Yves. Ce n'est pas seulement cette mission qui est avant, il y a quoi, ça là. Avant, c'est là, Balaam avait fait des numéros terribles. Mais ça a dit qu'à ordonner que vous devinez les bras. Il y a encore une question ici que sa vie soit détruite. Vieille. Et sa vie aussi s'est détruite. Grand marabout dans la vie. Grand marabout dans la vie. Ah, il dit, oui, pas mal son nom. Mais que celui-ci soit béni, qu'il est assuré. Et il est aussi béni. Voilà, mais t'es comme ça. Voilà, mais ça n'a pas bon à l'époque. Il était connu de roi. Il était connu de roi. Ce qui est roi béni. Si le roi lui a fait appel à lui, bon, à quoi pour s'opposer à
plus puissant que lui, pour s'opposer à un peuple plus puissant que lui. C'est que Balaam azalaki moindre. C'est-à-dire Balaam n'était pas moindre en son temps. Azalaki moindre. Il n'était pas moindre en son temps. Il faut le savoir bien. Mais, et l'homme, il faut que l'on mais la chose que nous devons savoir, c'est que le Seigneur a bon ici, Yahweh, bon ça. C'est que le Seigneur a préparé, cela s'accomplit toujours. Sauf qu'il a bien le coup. S'il dit une chose, il faut suivre tel qu'il a dit. Alors, qui il avait dit, dans Deutéronome 7, verset 3 et 4, verset 3 et 4, au bonsoir, pas dans la minorité, à bas, si vous faites ça, pas bon, nation. Vous ne prendrez point vos filles pour les donner aux fils des étrangers. Vous ne prendrez pas vos fils pour les donner aux filles des étrangers. Attends, c'est qui conséquence mini pour ça. Le Seigneur avait montré la conséquence. Alors, il a dit ces filles-là des nations des étrangers. Je vais tourner mes témoins à ma fils. Par vos pères, ils s'invitent à la barre de la Bible. Mais par vos mères, ma maman a fausse adoration. Et elles vont les amener dans une fausse adoration. Et les camouana et pour tombeau qui s'en amène. Et cette affaire va irriter le Seigneur. C'est que Dieu a dit, les amis. Oh, ils ont dit, les amis, solo. Même aujourd'hui, doctrinalement. Attends, les noms, les salles, les noms, à ma capo. Moi, Nanayo, il faut qu'on aille selon le Seigneur. Tu dois élever ta fille ou ton fils selon le Seigneur. D'abord, comme ma grande fille ou bien un grand garçon, à vous être détourné qu'elle n'a jamais pour lui. Lorsque ton enfant deviendra une grande fille ou un grand garçon, il ne va pas se détourner de son chef. Alors, surtout qu'elle a l'icône de la mariage. Elle ne sera pas surprise des mariages qui se font. Elle connaît déjà l'enseignement. Elle connaît déjà la doctrine et l'enseignement. C'est sa vie. Les amis, comment on est là? Que nous voyons ça. Du temps on vient épouser l'enfant. Ma famille va dans la facilité, parce qu'elle a dit n'importe quoi na vie. Les familles ont la facilité de faire n'importe quoi dans la vie. Là. C'est que c'est le témoignage à Jésus. C'est la vie, la soeur, tu ne témoignes pas Jésus dans ta vie. Et comme il y a l'air, il y a Nibala. Dans l'heure du mariage. À la tissue, on a invité ceux qui va caoutchouc, ceux qui va nuit. On te fait porter des ongles en caoutchouc. Plastique. Les ongles en plastique, malades ici, ceux qui robent mon corps transparent, on te fait porter les robes. Donc, tout le verset qu'on a gardé. Il n'y a pas de verset d'entre pas. Pilaire est qu'on a gardé. Il n'y a pas de pilaire, il n'y a pas de place. Après les ongles, on a tous les seins exposés. Il faut des tables, nous sommes pour louer les Seigneurs. Il faut savoir louer les Seigneurs dans toutes les étapes. Nous sommes pour ça en parole et en acte. Qu'est-ce que je ferai, l'ami? Ça, tu n'as pas le bas. Exactement, ce n'est pas d'envoyer les filles des nations. Maman va tomber, robe, selon Bango. Et ils vont cousir les robes selon elle. Et ça va coutiller à ma mérite. Ce sont seulement les coutures. Tu penses que c'est un homme spirituel qui a cousu cette robe? Ça dit robe, ce qui est pas qui n'est pas selon le monde. Donc il est connu selon le monde. Il a poussé la robe en tel enseigne que tout le corps soit exposé. Non, soutiens-moi. Alors que le soutien soit exposé. Et ça va ta soirée. La soirée. Ça va, il y aura fait ça pour tout. Ça va être sur vous. C'est le Seigneur qui t'a dit robe de soirée. Ça va être. Le Seigneur t'a dit sur vous. Il t'a dit que c'est la robe de soirée. On va aller à la robe de soirée, donc vous là. Soutiens ta carte. C'est ça, je suis mon âme. Et tout là est exposé. As-tu ma mèche, ma tombe ici, pas de mèche, on t'a rempli la tête. Voilà, parce que c'est la famille. Là, on lui dit dans la famille. C'est ça, ma mère, ce jour seulement. Il n'est pas aimé. Les mères aussi disent pour le moment. Seulement. Parce que je suis pour le moment des jours à rajouter. À ce jour-là, il ne revient plus. Alors, ça, mon confrère, son pas. À ce jour que je vais pêcher. Non, on voit la pudeur. Que je puisse quitter la pudeur. Maintenant, la nuance, vous savez, les amis. En fait, que je puisse m'habiller de tous les vêtements qui vont me réjouir. Je lui dis, si j'ai plaisir aux hommes, je ne sais pas c'est qui t'aime dédié. Oh, ça, laissez moi maintenant, vous arrêtez, vous allez attendre. La pudeur, c'est l'enseignement de la Bible. Au bon matin, Dieu a dit la qui s'est habillée. Dieu vous bénisse. Amen. Donc, ce qui, au tard de l'Écriture, si tu regardes l'Écriture, dans Nombre 25,
Dans Nombre chapitre 25. Israël a été emporté. Israël a même maté. Mais pas tout Israël. Car si ça est mon matin. Israël a été emporté. Israël a été emporté. Pourtant, il y a un verset premier et un deuxième. Nous le disons verset premier et deuxième. Ne qu'on a pas fait ça ta parole valeur. Mon bien-aimé, donne la valeur à la parole. Tout a été créé par la parole. Et on se fait la main à l'Iouba. Donc, au télévis, au talibéni, des colonies amis. Donc, on observe tout le firmament des cieux. Parole. C'est la parole de Dieu qui les a créés. Donc mon corps, l'île au mais il est bon, qu'est-ce qui peut être semblable à la parole? Tu observes les océans, les mers. Et tu constates la grandeur de Dieu. C'est la parole qui les a créés. Mais quand la parole va y avoir. Mais c'est seulement par sa parole. Après ma macamonios. Après toute chose. Après il dira que les mers et les océans disparaissent. Donc observe les océans et toutes ces choses-là. Mais si vous êtes dans ce courant de la mer, ne sera plus. Et par les monnaies, les paroles. C'est seulement cette parole. Quand la parole sortira, il va disparaître des grands réseaux. Parole les amis, la parole est tellement grande, bien-aimé. Si tu obéis seulement à la parole, tu es bien fort devant les démons. Je délivre à mon Esprit, je sors de la parole de Jésus-Christ. On te suit à la parole, on prend ma casse de vin et comment? Obéis à la parole, tu deviendras fort devant les démons. Sauf que tu n'as pas la parole. Si je suis seulement la parole, on va combattre. Qui va aussi le faire bien aimé. Parole. C'est vraiment la parole. La parole de Dieu. Il nous va s'appeler. Elle est puissante. Et ça n'a bouillé la colère. Et change à connaître bien les circonstances. Elle change. Pas pour la caractère pour que ma parole. Elle est capable d'avancer l'opération sans cicatrice. Elle est capable de faire l'opération sans cicatrice. Il faut considérer pour le nez qui a mis ça. Et c'est qu'elle comprend qu'il y a mon amour. Pourquoi la monnaie de Dieu, pourquoi la monnaie? Il ne faut pas la minimiser. La parole de Dieu va et l'eau pour boyer. La parole dit j'aime pour tout la sagesse, mais la parole dans sa sagesse. Nous sommes en mon cœur. Il est en train de minimiser ce que dit la parole. Et ça, la raison, ça fait. Considère la parole. Considère la parole de Dieu. Israël a eu au monde dans la fausse adoration. Ah, on va la nombre passer. Israël est entré dans la fausse adoration. Pour à tout ça quitter l'éternel 7, verset 3 et 4. Parce qu'il n'avait pas obéi l'éternel 7, verset 3 et 4. N'attaquez au nom de Jésus-Christ. Je l'ai dit au nom de Jésus-Christ. Israël, verset 1 et 2. Israël demeurait à Sittim. Israël a été la profane dans la Sittim. Nombre 25. Et le peuple commença à se livrer à la débauche. Et du côté maintenant qui commit Pessa. Avec les filles de Moab. N'a n'aimé pas si à mon camoire. Voilà déjà ma belle ici, parole. Là, déjà, ils ont détruit, endommagé la parole. Basanamina ba, fille païenne. Ils se sont alliés aux filles païennes. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Amen. Ils ont pris les enfants. Ces filles-là, ils ont pris les enfants d'Israël. Donc, les cultes n'est pas dans alors, au culte là-bas chez nous, a invité. Elles invitaient les enfants d'Israël. Donc, à cause du péché. À cause du péché. À quoi ils font? Ils sont devenus faibles. Parce qu'ils pour adorer les choses. Ils sont juste à adorer des choses qui ne sont pas de vrai Dieu. La vie d'ailleurs. Dans ta vie de ma bien, ma paix au courant. Le mal est péché. Ils sont ce que commis, répands-toi. Et si ce péché arrive, répands-toi. Mais comment vous la montez? Mais ne deviens pas esclave de ce péché. Répands-toi. Et pratique des bonnes œuvres. Mais ça, c'est ça normalement. C'est ce que la Bible déclare. La bonne Bible est autant que ça. On est esclave et à péché tel. Ne sois pas servi par le péché. On a laissé renoncer. Dis-moi la parole au monde. Donc, de toi-même. Mais on dit que dans la grâce de Dieu. Alors, tu vivras la grâce du Seigneur. C'est très important. Les amis m'ont tout à côté. Et l'autre, pour la parole, dit que ce qui était pour moi, les guerres. Ma commissaire est encore dedans. Mon ami a
gagner Christ. Pour gagner Christ Jésus. Quand on regarde Christ, lorsque tu regardes les autres, ils ont méprisé ma grand-mère. C'est là que tout ça, il est méprisé les choses vraies. On va non à l'impudicité. Quel est l'amour à Odumba? Non à qui t'aime? Quel est l'amour à qui? À cause à Christ. Nicolas Christ Jésus. Et ça vient à Zumba, on en débat. Non. C'est pas que j'ai peur désormais. Mais Christ a ça mon tout. Et Christ on est mieux sur la taille. Donc Christ a ça tout. Mieux sur la taille. Mais qu'est-ce que c'est ton tout? On va sentir que non, Nazareth à Christ n'est qu'il n'y a pas mon décret. Mais simplement que j'ai Christ, c'est ça la paix de mon cœur. Pensons pourquoi nous, mon loup, guérissons. Parce que si tu es esclave du péché, ti au kende obi qui la soupe en mabé et vous empirez. Et cela va, tu vas t'empirer encore dans le mal et dans d'autres péchés. Ma inviter par moi et père ma femme, ma gamite et mon habite. Et les enfants d'Israël furent invités par les filles des nations. Et ma kéli consacre ma sacrifice à ma faux Dieu. Ils se sont rendus dans les sacrifices de faux Dieu. Les peuples mangeant. Et se prosternant devant leur Dieu. Mais vous t'allez à qui va taper à la voie au Kouta. Comment ils ont adoré la folie? Ils ont commencé à adorer. Mais par quel chemin? Impudicité. Il y a un Ndumba. Oh, la salle qui n'a pas dans la masse. Ma tambour est comment il peut aller? Pourquoi ces choses étaient-elles arrivées? Parce que Balak cherchait que malédiction pour ta gata. Parce que Balak cherchait que la malédiction entre au milieu du peuple. Et c'est Balak qui avait enseigné ça. Et c'est Balak qui avait enseigné ça. Donc on a vraiment un nombre 31, verset 16. Et nous le voyons dans le nombre 31, verset 16. J'ai mis ça au nom de Jésus. La salle qui n'a pas mon esprit. Nombre 31, verset 16. Le verset 16. Voici ces hommes-elles. Et ça n'était pas capable Oyo. Qui Oyo. Sur la parole de Balaam. Ya Balaam. Ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'ensemble de l'Éternel. Voilà les péchés qu'on a dit en Israël. Voilà les péchés qui étaient dans l'enfant d'Israël. L'enseignant montait la route pour ma paix s'installer. Pour que le mal puisse s'installer. Voilà. C'était le faux prophète Balaam. Et Balaam rôle naïe. Et le rôle de Balaam. Et Zaraki pour nous capter tous les moyens que le peuple va à la maudit. C'était à chercher par tous les moyens que le peuple soit maudit. Son chemin. Ils avaient du chemin plein de gloire. Ils avaient dit, c'est là mon corps, le Seigneur qui m'a pissé et qui m'a mis. Donner. Puis le coup. Et puis, par mon Dieu, qui est salaire, Pierre, la zone. Et puis, on avait préparé le salaire qui apporte Pierre. Amen. N'avait qu'un deux. N'avait qu'un deux. Amen. Au salaire de l'iniquité. Les foutes, il y a un salaire, il y a un béba. Que Dieu bénisse. Amen. Le chemin, oh, par mon Dieu, c'est le chemin à gloire. Le chemin qu'on leur avait préparé, c'était celui de gloire et des honneurs. Aujourd'hui, les lopés, Balaam, Boye, Moutouazate. Balaam, un homme physique, n'existe plus. Mais il y a des actes où ils ont appelé ça Balaam. Mais il y a des actes qui montrent Balaam dans le champ. La vraie parole, l'innovaïa sol. Jésus qui s'est dit, ceux qui volaient sont les uns autres. Jésus-Christ avait dit, si vous ne mangez ma chair, ceux qui vont mêler ma quinaïté, et si vous ne vivez mon sang, vous aurez la vie éternelle. Et vous n'aurez pas en vous la vie éternelle. Donc, la parole de Dieu a nourriture. Donc, l'innovaïa sol, ça n'est pas bilé. Mais ça n'est nourriture, il y a vrai Dieu. Parce que ça n'est pas nourriture, il y a sol. Contrairement, les contraires de ces viandes-là, ils ont viande sacrifiée aussi. Même si on va monter, il va nous amener à l'occuper. Et c'est ce que Balaam a fait en nous. Et c'est ce que Balaam apporte au milieu du peuple. Donc, pour un récit, pour qu'il réussisse, un peuple, a besoin parole et un il va prendre la parole telle qu'elle est. Bonne parole. Bonne parole, mais ajouter du nom aux actes étrangères. Mais il ajoute des choses étrangères à la parole. Néanmoins, va présenter même. Et c'est ce qu'on présentera au peuple. Et ça vient de sacrifier aux idoles. Mais si on va monter l'Imanzabal, l'enseignement qui n'est pas vrai. Il a dit ceux amis sont en terre. Et Pierre a dit ce qui et Pierre a montré. À toi, on va faire un natif, on va mettre un
Balaam, et Macamoni n'a ça. Parce que nous sommes dans l'étape qui est Balaam et ses actes. Et puis ton côté, ils savent très bien amener où ils ont combattre l'église. Et puis nous allons bien les montrer comment est-ce que cet esprit combat l'église. Parce que pour combattre l'église, il faut tout simplement. Oui, que pour vous dire que c'est l'église, il faut vous péter. Pour présenter quelque chose, c'est ça, contre la lumière de Dieu. Oui, à vous péter, ça va te l'envoyer, que Seigneur, tel est la peau et la soeur et la dame. Et Pierre Paul de la Surie. Et Pierre pour parler si je n'ai pas là. Sur ces gens-là, possédés par l'esprit là. A parmi la 2 Pierre 2, verset 1. Là, commence à partir de 2 Pierre 2, verset 1. Il y a eu parmi les peuples, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a eu parmi les peuples des faux prophètes. Et soit pas qui la catégorie, ça dit qu'on t'a dit ça, pour les hôpitaux. Et il y aura des mêmes parmi vous. Puis, vous allez taper la catégorie, des faux docteurs. Par la qui s'est à l'hôpital. Quand on dit faux docteur, lorsqu'on parle de faux docteur, donc à cause de la prophète, qui peut être un prophète, à cause de la docteur, qui peut être un docteur, à cause de l'apôtre, qui peut être un apôtre, à cause de la pasteur, ou un pasteur, à cause de l'évangéliste, ou un évangéliste, mais ceux qui a se comporter, mais qui m'écritent, le dit dans 2 Pierre 2. Mais s'il s'est conduit comme les Écritures, le dit dans 2 Pierre 2, c'est un faux docteur. À sa vie, pour la qui s'est à l'hôpital, parmi vous, Tatikat n'a dit non. Il ne faut pas d'abord les chercher de et la communauté des églises de saints. Amen. La communauté des assemblées de saints, Balaam, Bazak. Dans les églises de saints, il y a aussi des Balaam. Pardon, Yo, Moussa, Razo, Sala, Zambet, mais Bazak, la science occulte. Des gens qui sont dans les sciences occultes, qui sont là dans l'œuvre de Dieu. Alors, mais la mine assemblée de saints. Moi, je parle plus aux églises de saints. Dans le but que tu puisses ouvrir les yeux et regarder comment tu marches. Parce que c'est l'écriture, Néhémie. C'est l'écriture qui est dit. Regardez l'écriture. Mais tu ne peux pas t'opposer à l'écriture. Parce que l'écriture, vous allez voir, aux hommes, on est là, on ne parle pas. Mais tu peux pas mépriser les écritures. L'écriture a annoncé des grandes choses. Ma commune et l'homme m'a contaminé, ma casse. Mais l'écriture ne faillira jamais. Mais nous connaissons pourquoi il y a ta conquête. Le Seigneur Jésus dans le vacances. C'est le Seigneur Jésus qui l'avait dit. L'écriture ne peut faillir. Il connaît pour qui aussi ma tête pourquoi il y a terre. Moi, vous avez voté que ça va monter dans Jean 10. Parce qu'il a monté dans Jean 10. N'est-il pas écrit dans votre nom? Et comment monter dans votre nom qu'on a non? Que vous êtes des dieux. Et que vous avez dans sa et vous mourrez comme des hommes. Vous êtes pour faire quoi à bâton? Vous êtes en amont? L'écriture ne faillit jamais. Il connaît pour qui cause ça. Mais ça fait que moi, dans le fils de Dieu, mais aujourd'hui, c'est l'écriture. Et que vous voulez endommager l'écriture. L'écriture est l'écriture. L'écriture restera l'écriture. Ah, c'est ça un enfant de Dieu. Il y a encore des mois dans le temps. Ce qui est l'eau, ils ont écrit dans les saintes écritures. Si quelque chose est écrit dans la Bible, il faut tout obéir, n'est pas bestia. Il faut que nous sachions obéir à cela tel que le Seigneur l'a dit. C'est très très important. Et ça dit mon Dieu. Ce qui dit les missions, c'est l'écriture me dit. Et même parmi vous, il y aura des fondateurs. Et vous aurez la paix dans la vie salouta. J'ai dit Amen. Alors dit Io, mais ça vous pose la parole. Oui, des amis, nous. Viens la terre qui a abandonné de parmi Israël, ma faux prophète, mais pas à la terre. Pierre a commencé d'abord à montrer qu'il y avait des faux prophètes parmi les enfants. Parmi vous aussi, des faux prophètes. Et parmi vous, il y aura aussi le faux docteur. C'est bien dit déjà. Et le parmi, malade, parce que Jésus est mon corps. Parce que Jésus lui-même a lui, oui. Il dit ceci. Dans une matière. Je prends Matthieu. Au moins, on a la vie, Nadéo. Voyez dans ta vie, bien-aimé. Sokotangi Matthieu 5. Si tu lis Matthieu chapitre 5. On lit Matthieu 5. Va Matthieu chapitre 5. Le lingue est en prison. Tel que cela commence. À partir du verset 1er. À partir du verset 1er. Voyant la foule. Na comment on a battu Jésus monta sur la montagne. Yeso matin qui à Roma. Et après qu'il se fit assis. Ben Asimaï au Fada. Ses disciples s'approchèrent de lui. Baye Koliba poussa la qui est pas une. Puis ayant ouvert la bouche. Pour fondre la mon encore. Il les enseigna. Puis à Bataki côté Yama. Et dit. Puis à Tansi. À Baloter. Et dit toujours. Il a commencé à poussant. Il a commencé à prêcher, chapitre 5, à continuer. Il continue, chapitre 6, à continuer. Il a continué sans s'arrêter, chapitre 7.
Nous allons voir. Nous suivons attentivement. La continuer chapitre 7. La continuer le chapitre 7. Et puis à confirmer Bouy. Maintenant, et puis il confirme. Bouyou Kamalam. Écoutez bien ceci. Soki makambu oyoyo ezana kati na bino. Si ces choses sont en vous, natanga ya mona parce que dans la et je le dis d'abord parce que c'est très na kati makambu nyonso wana lobi. En toutes ces choses, elle dit. Entrez dans le verset 13 il y a Matthieu 7. Verset 13 de Matthieu 7. Entrez par la porte étroite. Okota na ikuke ya kata. Car large est la porte. Oui, que mon aide, mes amis, spacieux et le chemin qui mène à la perdition. Mon aide, mes amis, c'est là, mais ma carte, la boue qui n'a pas. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mes amis, ma carte, pélé, ma côté, la carte, là, on est à mon aide. N'a pas de roi. Qui est en train de le dire? Mokeli Nicolo, le créateur des jours. Pourtant, ma zone, on va voir. Il est en train de dire ici. À l'état qui était 2022. Il avait dépassé 2022 que nous sommes. Qui va 2023. Il a vu 2023. Qui n'a soukara. Et juste à la fin du monde. Après son lieu. Après il est retourné à son lieu. Il a vu les nombres à bâton par côté de la porte étroite des amoukés. Il a vu les nombres de ceux qui sont entrés par la porte étroite et faibles. Aux hommes à mon âme. Amen. Oh, il y a le lieu où on a celui qui l'a dit, c'est lui le créateur. Avant il montre que ceux qui seront sauvés seront en vie. Il est le juge. Il est le juge. C'est lui qui connaît le juge. C'est lui. Alors, il pèse le loin, il entra. Qui t'a gagné à son compte en disant mais dans la porte spacieuse. Vous allez écouter à mon aide. Porte est dans sa renseignement. La porte est dans l'enseignement. Et dans sa parole. Le Liloba. Enseignement, mon souci. Un autre enseignement. Voici ton misana au babij. Et la femme, tu dois dépasser les bijoux. Donc, il sa mèche. Et garder les mèches, les bijoux, les plantes. Corrigez la femme. Corrige le Seigneur. Seigneur, on savait qu'il y a une erreur pour toi qui va soucier là. J'avais commis une erreur à mes deux mains. Il ne fallait pas en tirer à moi. Il ne fallait pas les mettre ici. Ah oui, je l'ai dit. Moi, je l'ai dit. Alors, où est-ce que c'est rase les soucis? Donc, moi, par exemple, on savait qu'il y a une erreur. J'avais dit, Seigneur, tu avais commis une erreur. Il ne fallait pas en tirer à moi. Maintenant, avec ça, on a mené un petit peu moins de ça, ma bée. Donc, quand tu l'as venu, il fallait aussi avoir ta rouge. Il fallait mettre en rouge. L'azur. Je prends la couleur rouge. Et tu n'as pas rouge. Je commence à se dessiner les soucis en rouge. Maintenant, on dit, taille aux armes au pays qui ont eu. La taille des signes que tu m'avais donné sont. Bah, ça, les liens aux autres industries. On lui a fabriqué notre signe aux industries. Ah, mais bah, qui s'est arrivé comme on est dit. Il a rajouté pour que ça devienne. Nous allons pas maintenant au sang. Que le Seigneur écoute la prière. A dit qu'à Jean-Louana Libéla. Qu'il puisse laisser ces choses-là pour du bon. A bimisasum te moué à ouéli ma maman. Qu'il ne puisse plus faire croître les soucis. Maintenant, on dit ça vraiment. Yahweh Milaïm, non, mais on puisse faire croître les longs cils. Bon, on change encore le sang. Et tu vas changer encore de prière. Bah, on va nous qui maillon à l'histoire. Parce qu'on va s'en défuir par les gens. Nous sommes les amis, vanité. Pas ma petite. Pour fuir, ils vont payer pour la dame au bébé. Il a qu'on a dans la porte spatiale. Ces choses-là dans les portes-là. Beaucoup il y a. Ça te fait des façons courtes, des façons de dimanter. Donc, par enseignement, les amis, tu barabas, la mettre où est. Les enseignements qui sont comme des petits marchés. Oui, les amis, quand on a des assortés. Qui ne sont pas les vraies choses de Dieu. Oui, mon Dieu, alors, parce que là, t'as agi pour me pousser. Ou un serviteur déconseille de porter les courtes jupes. Voilà mon terre, il faut que pour moi, la force d'agir comme vous poussez. Le serviteur te dit pour avoir un bon moment, il faut. La doctrine à nous est ça. Il existe des termes de doctrine. On t'a dit mon terre, ça a entouré la sorte en bas, c'est ça qui est au son. Tu regardes les serviteurs entourés des sœurs, vraiment c'est terrible. Donc on t'a dit encore, on va mettre les Bibles. Tu regardes les sœurs qui portent la Bible de l'homme de Dieu, et ça qui est au son. Vraiment, ça aux âmes à Babylone, la grande roue. Pas à considérer. Mais ils sont très considérés ces gens. Mais ce sont des perdus. La salutation va Kunda. Voilà nous sur la porte spacieuse. Mais tout cela, c'est la porte spacieuse. Beaucoup y entrent. Va te tenir à côté la kawana. Jésus l'a dit. C'est Jésus qui l'avait dit. Parole nous disons dans un amour, la parole dire qui peut entendre. La parole que nous avons fait à ma casina et à qui colloque la voix. Et sa parole n'est pas ma parole.
Ce n'est pas un chagrin. La sainte doctrine. L'île qui s'y m'occupe à péto. Et c'est le mot chagrin. Ce n'est pas une blague. Ami, avant de continuer à Oroa, il continue ici en disant Ami, entrez par la porte étroite. Au côté avec vous qui est à ta droite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Point que vous qui est à mon aile, l'intérêt à mon aile, l'élément à la Nibungi. Nous allons mener devant les âmes à faire enseignement. Ces grands chemins-là, c'est le force doctrine. Le force doctrine. Parce que la doctrine les a considérés aussi comme porte. Parce que la doctrine est considérée comme la porte. Jésus-Christ qui est la vraie doctrine. Jésus-Christ a dit la qui s'y sort. Et c'est l'homme aussi la porte. Avec la rattrapé le coup les bouquets. Alors, il y en a beaucoup qui entrent par là, la porte spacieuse. Ça dit, on va aimer la porte et les bouquets à la monnaie. Mais étroite est la porte. Oui, les bouquets à mon. Il y a ta vie, Zali, écoutez. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Celui qui dit ces choses, c'est lui. Il est bienvenu, Lyon. Il connaît tout l'avenir devant nous. J'insiste encore sur ça. Dans la zone de paix. Lorsqu'il dit paix, qui est 2022 jusqu'en 2023. Tiens, regarde. Amen. Et vous direz, c'est lui qui veut l'emprunter les gens. À lui, gardez-vous les faux prophètes. Il vient à vous en vêtements de brebis. Mais au dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leur fruit. Vous voyez, papa, on a un bon rapport. Il y a beaucoup de monde à pierres deux. C'est pourquoi deux pierres deux. Ils ont dit que ça va fruit à ma foi. Il est en train de nous détailler le fruit des faux prophètes, des faux docteurs. Alors, dites-lui, nous connaissons ce qu'on a fait. Toutes ces choses qu'il est en train de dire. Attends ici aussi. Il a aussi montré dans toutes les choses qu'il a dites. Alors dit, vous les reconnaîtrez par les fruits. Vous croyez, papa, mon amour,